Job 17, verset 9. Job 17, verset 9. Job 17, verset 9. Qui dit, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. L'opportunité est là pour nous de servir le Seigneur et d'être fort et d'être de plus en plus fort. Et s'il dit cela, c'est quelque chose de continu. On est fort, on est plus fort, on est le plus fort. Cela veut dire que nous pouvons avoir la force continuelle. Cela veut dire qu'on peut avoir plus de percées dans le ministère. C'est ce dont nous parlons ce matin. Plus de force pour plus de percées dans le ministère. Nous allons au psaume 84. Nous lisons le verset 7. Psaume 84, verset 7 dit, verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Il souligne la même chose. Nous commençons avec la force. On continue avec la force. On va de force en force. Qui sont les gens? C'est dit que et il se présente devant Dieu à Sion. Nous venons devant le Seigneur. Nous prions, nous faisons notre pétition au Seigneur. Et à cause de cela, nous allons de force en force. Il y a des gens qui vont de la joie au découragement, qui vont du courage au découragement. Mais si vous espérez en l'Éternel, si vous cherchez la face du Seigneur, voici l'expérience que vous allez faire. Vous irez de force en force. Et chacun, sans exception, chacun à Sion se présente devant Dieu. Voyons le verset 12 qui nous assure en disant, car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La grâce et la gloire. Cela veut dire donc que la force dont nous parlons, c'est la force spirituelle, surnaturelle, la force qui soutient qu'on aura parce que nous avons la grâce de Dieu qui nous conduit à la gloire et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors nous devons remplir les conditions, nous marchons dans l'intégrité et ce faisant, il dit qu'il ne nous refusera aucun bien. Le verset 13 dit, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Une fois encore, nous parlons de plus. Nous parlons encore plus de force. Nous parlons de plus de grâce. Nous parlons de plus de progrès. Nous parlons de la percée dans le ministère. Plus de force pour plus de percée dans le ministère. Le message est divisé en trois parties. Et première partie, c'est la promesse de la force spirituelle pour les croyants qui prient. C'est bon d'être croyant. Cela nous fait entrer dans le royaume. Mais lorsqu'on devient un croyant qui prie, un croyant qui se met à genoux, un croyant qui présente ses pétitions au Seigneur à tout moment, il dit que nous avons la promesse de la force spirituelle. Deuxième point, nous allons voir la puissance et la force surnaturelle pour la percée pénétrante. Nous avons besoin de la percée dans notre vie personnelle, la percée dans notre profession, quel que soit ce que nous faisons. Alors, il nous faut la percée même dans le ministère de proclamer la parole de Dieu et servir le Seigneur, prêcher l'évangile, évangéliser le monde. Il nous faut la percée, il nous faut la pénétration dans le cœur des gens, la pénétration dans l'esprit des gens. Il nous faut la pénétration dans les provinces et dans les îles et dans les divers lieux où le Seigneur nous envoie. Nous devons pénétrer et cette percée pénétrante vient comme nous avons la puissance du Seigneur pour la force spirituelle. Nous allons voir la troisième partie qui est la persévérance.
Nous travaillons, nous œuvrons, nous transpirons, nous œuvrons, nous courons et nous ne serons pas fatigués. Nous allons marcher et sans nous fatiguer, il faut la persévérance. Tous les gens que le Seigneur a appelés dans le passé, il a appelé Moïse, Josué, il a appelé Élie, il a appelé David. Tout ce que Dieu a appelé dans le passé, ils ont connu des défis, ils ont eu des choses qui vont les arrêter, mais ils ont persévéré disant que non, nous n'allons pas céder. Dieu est vivant et nous sommes vivants en lui. La grâce de Dieu est disponible. Nous n'allons pas céder. C'est cette attitude, c'est cette force, c'est cette épine dorsale de ne jamais céder. La persévérance des serviteurs envoyés qui nous fait être des ouvriers déterminés qui portent les fardeaux. Troisième point, la persévérance des saints envoyés déterminés à porter les fardeaux. Nous allons voir la première partie qui est la promesse de la force spirituelle pour les croyants qui prient. Si vous voyez Ésaïe au chapitre 40, Ésaïe 40, verset 28, une question. Ne le sais-tu pas? Plusieurs personnes dans le royaume de Dieu, c'est une question. Plusieurs dans diverses églises ne savent pas. C'est pourquoi le Seigneur pose la question. Ne le sais-tu pas? Vous avez la difficulté, le défi, et vous regardez en arrière, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, il est le Dieu d'éternité, il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et d'éternité. Il est le Dieu de l'éternité passée et de l'éternité future. C'est le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est le Dieu qui dit que je suis Dieu, je ne change pas. Il est toujours vivant, toujours vivant. C'est le Dieu qui n'était pas créé, le Dieu non créé. Il est toujours là. Il n'y a pas de temps où il n'a pas existé. Il était avant le temps. Il est au cours du temps et sera lorsque la terre prendra fin. Alors, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il est toujours en existence. Nous devons nous réjouir que Dieu était avant le monde, avant toute autre chose. Ce Dieu éternel qui a créé toutes les extrémités de la terre nous dit que il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais là. Il n'a jamais connu de faiblesse. Il a toujours la force. C'est pourquoi il dit que on ne peut sonder son intelligence. Si vous croyez avoir la connaissance de Dieu, vous avez la connaissance de ceci et de cela. Allez au-delà et vous allez voir que Dieu est toujours là. Alors, on ne peut sonder son intelligence. Et le verset suivant, qui est le verset 29, dit, il donne de la force. Rappelez-vous, il donne de la force. Il donne de la force aux gens devant nous. Les gens avant nous, il leur a donné la force. Les gens de ce temps-ci, il leur donne la force. Il donne de la force et il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur. Il y a des gens qui disent qu'ils vont venir prier lorsque je me sens fatigué ou je me sens épuisé. Lorsque je me sens épuisé, mais regardez ceci. Et il augmente la vigueur et celui... Même si vous êtes fort, Dieu merci, vous êtes fort, il vous rendra plus fort. Parce qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le verset 30 nous dit, les adolescents se fatiguent. Alors, et les adolescents se fatiguent. Dans notre habileté, les adolescents se fatiguent.
dans notre force naturelle, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Ils vont totalement chanceler, vont tomber. Si tout ce que nous avons, c'est la force du monde, si tout ce qu'on a, c'est la connaissance du monde, si tout ce qu'on a, ce sont les sciences, l'histoire de ce monde, nous allons chanceler, non seulement chanceler, nous allons chanceler, tomber totalement. Et 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il nous faut renouveler la force, nous devons renouveler notre courage, nous devons renouveler notre vigueur, nous devons renouveler la pulsion, la poussée en nous qui nous fait aller jusqu'au bout. Et c'est dit, mais ceux qui espèrent, ceux qui se confient en l'Éternel, pensez-y à ceux qui se confient. Au moins, vous devez rester sur place, vous devez voir que je suis Dieu. Restez sur place et voyez que je suis Dieu. Regardez notre société, regardez notre lieu de provenance, regardez là où nous sommes. Les gens ne restent pas sur place. Les gens poussent, courent. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Cela se passe dans plusieurs villes. Les gens sont précipités. Ils voudraient aller ici, aller là-bas. Même lorsque le signal nous dit que votre carburant, votre gaz s'épuise, déjà continue. Ne vas-tu pas t'arrêter pour faire ravitailler? Non, je n'ai pas le temps, je suis précipité, je vais quelque part. Et puis le carburant s'épuise. Et puis on n'est pas prêt d'attendre, on n'est pas prêt de s'arrêter pour ravitailler. Beaucoup de personnes dans leur vie spirituelle, ils courent, et dans leur vie spirituelle, ils n'ont pas le temps de se confier en l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, je veux que vous pensiez à ce mot-là, se confier. Lorsque vous pensez à Moïse, Moïse était fatigué, il était épuisé. Lorsqu'il était venu de la montagne, tous les enfants d'Israël, déjà, alors, ont rétrogradé, sont allés vers les idoles et il a cassé les tables de ses mains. Où allons-nous maintenant? Le Seigneur a dit qu'il va les désavouer. Je vais leur dire que vous n'êtes plus mon peuple. Et la nation va mourir ici. Et Moïse a reçu l'ordre de Dieu. Dieu lui a dit que je vais recommencer de nouveau et je ferai de toi une grande nation. Comment cette situation a-t-elle changé? Moïse se confiait en l'Éternel. Pendant combien de jours? Il a espéré en l'Éternel pendant 40 jours. Et puis, la vie a repris son cours. Dans notre vie, nous devons espérer en Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, pensez à Josué. Il conduisait les enfants d'Israël à la terre promise du Canaan. Et puis, quelqu'un qui ne connaissait pas a fait quelque chose qu'il n'a pas vu. Et puis ils sont allés au combat à Haï. Ils ont été vaincus. 36 personnes ont perdu la vie. Et puis de retour, quand on ne peut pas avancer, vous savez, il y a des choses qui sont encore devant nous. Mais Josué, que vas-tu faire? Est-ce que cette situation peut se changer? Oui, ça va changer. Ça peut se changer. Que vas-tu faire? Nous allons... Je vais me confier en l'Éternel. Il ne doit pas se confier en l'Éternel pendant 40 jours. Oui, divers ennemis, il y a diverses méthodes pour diverses choses. Il s'est confié en l'Éternel. Avant le soir, le Seigneur lui a parlé. Ils ont corrigé ce qui devait être corrigé. Alors, se confier en l'Éternel n'est pas un moment d'oisiveté. On peut découvrir à quand on attend. On peut faire sortir Akan lorsqu'on espère. On peut envoyer dans le camp et retrouver Akan. On peut déterrer ce qu'il cache, ce qu'il a caché là-bas. Le temps de se confier en l'Éternel n'est pas un moment d'oisiveté, c'est un moment de prier l'Éternel. Nous venons au deuxième point. Le deuxième point, nous allons voir la puissance
de la et la puissance et la force surnaturelle pour une percée pénétrante. Nous devons percer, nous devons avancer de là où nous sommes pour aller à là où nous devons être. La force qui vient, la force, la puissance, et nous allons la puissance et la force surnaturelle. Et il y a dit, en 1973, nous avons commencé l'étude biblique. 15 personnes, tout ce que je connaissais à l'époque là, c'est d'enseigner de chapitre à chapitre, et puis d'un verset à un verset dans la Bible. C'est le niveau que j'étais à l'époque. En 1973, comprenez, j'étais né de nouveau en 9 ans. Après ce temps-là, de 64 à 73, j'enseignais, et puis j'ai reconnu qu'il y a plus de choses que je sais, je suis créé pour plus de choses. Je vous fais rappeler ce matin que vous êtes créé pour plusieurs choses. Vous êtes créé pour plus de choses, plus de grâce dans votre vie, plus de force dans votre vie, plus de poussée dans votre vie. Et j'espérais en l'Éternel, je jeûnais. Alors comme j'espérais en l'Éternel d'un enseignant, d'un docteur, de celui qui enseigne, je suis arrivé à un évangéliste. Le don d'un évangéliste est différent d'un don d'un enseignant, mais plus et puis l'évangéliste est venu, et par la grâce de Dieu, je suis allé ici et là, évangélisant et prêchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ce n'est pas comme un évangéliste contemporain dans le Nouveau Testament. Numéro 1, la première personne que nous connaissons comme évangéliste, c'est Philippe. Nous savons que Philippe était allé à Samarie. Il a prêché Christ aux Samaritains et plusieurs miracles ont été opérés là-bas. C'est l'exemple d'un évangéliste dans le Nouveau Testament. Et puis, après être un enseignant, je suis devenu un évangéliste. Ouais, je me suis confié à l'Éternel. Vous devez comprendre, vous allez du niveau de la lumière de la lune au niveau de la lumière du soleil. Du niveau de la lumière du soleil au niveau de la lumière de plusieurs soleils. Alors j'espère en l'Éternel, il m'a donné encore le ministère du pastorat. Alors l'évangéliste, l'enseignant, l'évangéliste, le pasteur, plusieurs viennent y voir la protection, les soins, les provisions du berger pour les brebis, et beaucoup sont venus et on devient des milliers dans notre église. Et nous avons implanté des milliers d'églises dans notre pays, au Nigeria. Nous sommes allés dans divers pays en Afrique, on implante l'église. Nous sommes allés dans des pays hors de l'Afrique, nous implantons des églises. Je vous dis ceci pour faire comprendre que vous n'êtes pas encore parvenu à la dernière limite de votre ministère. La limite là sera brisée. Et vous allez monter et monter plus. Et plus, vous allez découvrir que c'est une autre chose. C'est une chose d'être enseignant. C'est une autre chose d'être évangéliste. C'est une autre chose d'être pasteur. Le ministère prophétique est venu comme j'espérais, comme je me confiais en l'Éternel. Et puis plusieurs d'autres choses se sont produites. Et comme les gens venaient à l'église au temps de la prière, ils ne doivent pas me dire que nous souffrons de ceci. Est-ce que tu peux faire ceci? Seulement je leur dis que et quelqu'un là, tu as ce problème. Et puis lève ta main. Et puis et véritablement, ils avaient le problème. Ils levaient la main. Et puis on priait. Ouais. Il y a le don de prophétie. Il y a le don de la foi. Si vous avez seulement le don de prophétie, vous savez. Si vous n'avez pas le don de la foi, vous ne pouvez pas faire beaucoup. Mais s'il y a le don de prophétie et le don de la foi et le don de guérison et le don de faire des miracles, alors toutes choses combinées, alors vous serez en mesure de faire comme vous le savez et le don aussi perfectif. Et au fait, lorsqu'on parle d'un apôtre,
L'apôtre est un enseignant, un pasteur, un prophète, un évangéliste, tous combinés. Et lorsque vous avez toutes ces choses combinées, alors vous avez le don à lui donner à certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains pasteurs, enseignants ou docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc, comme je me confie à l'Éternel, alors il m'a fait aller de force en force. Alors, votre heure sonne maintenant. Parce que, comme Moïse vieillissait, et comme il sortait, le temps de Jésus a sonné. Il était sur le point de quitter. Le temps d'Élie, le temps d'Élisée est arrivé. Le temps de David expirait. Le temps de Salomon est arrivé. Et comme Pierre, Paul allait quitter l'homme, et que l'homme, là, Jean, a ramené le car il m'est profitable dans le ministère. C'est que les gens avant nous, oui, se sont confiés à l'Éternel, et les gens qui venaient après, des gens comme toi, comme moi, nous allons nous confier en l'Éternel, et notre ministère ne sera pas limité à la personne, au niveau de la personne avant nous, mais lui, il est arrivé au niveau de la lune, au soleil, et vous n'allez pas dire que oui, c'est bon, c'est assez bon pour moi. Josué, tu as vu Moïse? Oui, c'est bon pour moi. Non. Moïse n'a pas fait arrêter le soleil dans le ciel. Mais Josué est allé au-delà de Moïse. Il a dit, nous sommes sur le champ de bataille. Soleil, arrête-toi là-bas. Lune, arrête-toi là-bas. Si vous êtes allé au ministère de Moïse, à la limite de Moïse, et s'il était seulement arrêté à ce niveau, il ne pourrait pas faire cela. Regarde Jéricho, et les murailles de Jéricho étaient imprenables, très, très élevées, et ils doivent renverser les murailles de Jéricho. Moïse n'avait rien pour faire ça. Josué ne pouvait faire ça, et il devait traverser le Jourdain. Cependant, ouais, Moïse a divisé la mer Rouge. Moïse avait la verge dans sa main. Mais Josué n'a pas hérité ce bâton de Moïse. Quoiqu'il ne l'ait pas hérité, il est arrivé au fleuve Jourdain. Il a dit, sacrificateur, prenez l'arche du Seigneur et tenez-vous au bord du Jourdain. Et dès que leurs pieds tombent dans le lot, le Jourdain a séché. La nouvelle génération ne doit plus encore prendre la verge en main. L'arche de l'Alliance, la présence de Jésus-Christ est représentée par l'arche, est avec nous. Tout Jourdain devant vous se divisera. Et Élie, maintenant, était sur le point d'être enlevé. Il dit, demande ce que tu veux. Vous voyez, ces gens ont compris et ils se sont confiés en l'Éternel. Et la lumière, et leur lumière sera comme la lumière du soleil. Ils ont reconnu que la lumière du soleil deviendra au septuple. Élie, et Élisée, que veux-tu? Veux-tu être au niveau d'Élie? As-tu jamais rêvé que tu peux avoir quelque chose de plus grand que ce qu'avait Élie? Mais Élisée savait, et moi je sais, et vous savez que vous pouvez avoir plus. Vous pouvez avoir plus que ce que vous voyez en Élie. Élisée, que demandes-tu? Que la double, que une double portion de ton esprit vienne sur moi. Et puis Élie a dit, vraiment, tu as demandé une chose difficile. Mais Élisée n'a pas accepté que c'est une chose difficile parce qu'il savait que tout ce qu'il faut faire, c'est de se confier à l'Éternel. Alors, maintenant, ils sont à Gilgal, reste ici à Gilgal. Il dit non. Nous sommes maintenant à Bethel, reste ici, non.
Nous allons maintenant au Jourdain, reste ici. Non. L'homme là se confiait en l'Éternel. C'est pourquoi il n'a pas peur. Une double portion de ton esprit, que cela vienne sur moi. Si tu me vois que je serai enlevé, lorsque tu me vois que je serai enlevé de toi, ce sera ta portion. Pas de grand problème. Je te verrai. Je ne cherche qu'une autre chose. Je voudrais voir. Je suis passionné d'une seule chose que je vais voir. Je ne désire qu'une seule chose que je vais voir. Alors, ils avaient 50 fils de prophètes à regarder, dit non, ils ne me suffisent rien, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent jamais me donner ce que je cherche. Mais mes yeux sont braqués sur Élie. La beauté de ce lieu, il n'est pas distrait, il ne cherchait pas un spectacle ailleurs. Je ne cherche qu'une seule personne, je ne regarde qu'une seule personne, comme je la vois, une double portion. La double portion viendra sur vous au nom de Jésus. Mais vous devez espérer en l'Éternel. Et le char est venu du ciel. Et le char l'a pris, a enlevé Élie. Il dit, mon père, char d'Israël. Et il était parti et le manteau était tombé. Le char a emporté Élie. L'homme là a continué de se confier en l'Éternel. Comment je le sais? Le char qui a emporté Élie était renvoyé, non pour emporter Élisée, mais de rester auprès d'Élisée, autour d'Élisée. Lorsque l'armée syrienne était envoyée contre Élisée, le roi dit, et ne cherchez aucune autre personne, arrêtez l'homme là, amenez-le, nous allons faire de lui ce qu'on veut. Et puis, le matin, le serviteur s'est réveillé, et il a dit, mon maître, Seigneur, qu'allons-nous faire? Lorsqu'il a vu toutes les armées syriennes autour de la maison, il dit, mais ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il a prié l'Éternel, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et le Seigneur a ouvert les yeux du jeune homme. Qu'a-t-il vu? Il a vu des chars de feu qui ont emporté Élie, sont venus rester pour protéger Élisée. Et le Seigneur a ouvert les yeux du jeune homme. Il a vu des chars de feu et des chevaux tout autour d'eux. Ça, c'est le privilège. Ça, c'est l'expérience de se confier en l'Éternel. Aujourd'hui, comme nous reconnaissons l'importance de se confier en l'Éternel, plus que les gens d'autrefois ont obtenu, nous l'obtiendrons. Amen. Et Élie représentait la génération en passé. Et voyons, Acte 1, verset 8, qui dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. N'ont-ils pas déjà de pouvoir, oui ou non? Matthieu 10, il leur a donné le pouvoir et l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons. Guérir les malades, chasser les démons, mais pas le pouvoir, la puissance pour confronter les pharisiens, pas la puissance pour confronter et se tenir devant le Sanhédrin, et non pas cela. Lorsque Jésus était arrêté, et ils avaient si peur qu'ils étaient allés s'enfermer quelque part, ce sont ceux qui doivent aller de par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce sont les gens qui avaient la clé du royaume, les clés du royaume, que tout ce qu'il est lié sur la terre sera lié au ciel, ce qu'il délie ici sera délié au ciel. Ils avaient les clés, mais ils se sont enfermés quelque part à cause de la crainte. C'est pourquoi Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance.
S'ils ont dit non, s'ils ont dit que non, nous avons déjà la puissance. Non, vous n'avez pas la puissance sur votre crainte. Vous n'avez pas la puissance sur votre timidité naturelle. Vous n'avez pas la puissance pour dire à ces pharisiens que nous devons déclarer ce que nous savons. Vous n'avez pas cette puissance. Et lorsqu'ils viennent vous défier, que nous ne vous avons pas défendu expressément de parler en ce nom-là. Maintenant, vous avez rappelé Jérusalem de votre doctrine. Ils n'avaient pas la puissance pour dire que nous allons obéir à Dieu, nous n'allons pas obéir à un homme. Alors il dit que vous recevrez une puissance. Cela va au-delà de la puissance pour guérir, pour délivrer. C'est la puissance pour tenir ferme. Vous aurez la puissance. C'est la puissance pour rester dans leur prison, chanter et briser tous les fondements de leur prison. C'est la puissance pour être intrépide, pour la puissance pour être courageux, la puissance pour être ferme et fermer la gueule de la demoiselle. Voici les gens qui nous montrent la voie du salut. Voici la puissance pour faire taire le gouvernement romain et vous irez dans et même le et vont aller dans le monde entier pour effacer l'idolâtrie dans le monde entier. C'est la puissance d'aller partout dans le monde prêcher l'évangile et personne ne peut vous empêcher. Personne ne vous empêchera. Vous voyez, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous avez peur? Jérusalem, là où tu as été crucifié, Jérusalem, nous avons vu, là où les gens ont dit que quiconque mentionne le nom de Jésus sera chassé, sera exclu de la synagogue et nous allons l'éliminer. Jésus a dit que la puissance que vous allez recevoir, ce n'est pas seulement pour guérir, ce n'est pas pour délivrer, ce n'est pas pour chasser les démons, mais c'est pour dominer sur Jérusalem. Et dit, dans toute la Judée, dans la Samarie, vous rappelez bien, la première évidence, la première chose que nous avons de la Samarie, Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de l'eau? Parce que les Samaritains et les Juifs n'ont pas de rapport. Alors, dès qu'on voit que ça, c'est un Juif, la porte est fermée. C'est la puissance pour ouvrir ces portes fermées et pénétrer dans Samarie et dire, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Les nations à l'époque là, qui ne reconnaissent pas, à ce temps ils ne reconnaissent pas la cartographie, que la parole va se propager et pénétrer tous ces lieux et que vous recevrez la puissance. Maintenant, si les enfants de Dieu, les ministres de Dieu, le peuple de Dieu dit, nous avons déjà la puissance. La puissance, on a déjà la puissance. Quelle puissance avez-vous? Il dit que tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire le salut, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. Alors, si c'est tout ce que vous avez, le privilège d'être enfant de Dieu, le pouvoir d'être enfant de Dieu, qu'on l'a déjà. Non, vous n'avez pas ceci. Ceci est sur le point d'arriver et ça va venir. Vous recevez une puissance, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous verrez la puissance, pas la puissance dans votre vie personnelle, pas votre salut personnel, pas votre expérience personnelle, la puissance qui vous fera prêcher. Et dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et serai mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous sommes arrivés ici. Vous êtes candidat pour cette puissance. Vous allez recevoir cette puissance. Le Seigneur va vous donner la puissance. Le Seigneur le fera pour vous. Allons au troisième point maintenant. Nous allons voir la persévérance des saints envoyés déterminés à porter les fardeaux. La persévérance dans la vie. Si on n'en a pas, cela veut dire que continuer d'aller. Je suis fatigué. Un pas en avant. Je suis fatigué. Faites encore une autre part. Je suis épuisé. Levez-vous et faites un effort supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Fatigué, avancez. Épuisé, vous avancez. C'est comme le vent est plus que la vitesse du vent est plus que la vitesse de celui qui avance. Le Seigneur dit, continue d'avancer, supporte, serre, persévère. Par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. J'y arriverai. Je pense à la possibilité de l'intrusion qui a été donnée à Noé, qui devait bâtir une arche et continuer de bâtir un an écoulé, 10 ans écoulés. Il bâtissait l'arche pour une personne ordinaire. Quand on fait quelque chose, 1 an, 5 ans, 10 ans, parce que la pluie viendra, parce que le déluge viendra. Et lorsqu'on a œuvré, on a bâti 10 ans, et la pluie n'est pas venue. On dit, mais oncle Noé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ta pluie? Il y a de cela 10 ans. Est-ce que tu vas continuer de bâtir? C'est la persévérance. Dieu nous a donné une œuvre à exécuter. Nous continuons de bâtir. Le Seigneur viendra. 10 ans, vous dites cela, il n'est pas venu. Et la moquerie des gens, l'outrage des gens, les insultes des gens, l'assaut des gens, les attaques des gens, et les mauvaises paroles des gens, la risée des gens suffisent pour vous calmer, pour vous refroidir, pour vous dire que vous avez fait ceci pendant 10 ans et la pluie n'est pas tombée. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, et la pluie n'est pas tombée, et tu continues de bâtir. Est-ce qu'on peut persévérer de cette manière? Persévérer de cette manière, je pense à Moïse. Tu dois amener les enfants d'Israël à la terre promise. Sur cette montagne, ils viendront me servir. Je suis très content. C'est comme quelque chose de grand va se produire par Moïse. La première année, deuxième année, troisième année, ils n'étaient pas encore là. 10 ans, ils ne sont pas encore là. Mais qui est là? Qui a la témérité, la ténacité et l'endurance et l'habileté pour continuer d'avancer après 40 ans, 15 ans, on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est la persévérance dont nous parlons. Maintenant, il a dit à ses disciples que cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et puis la fin viendra. L'Église a-t-elle la persévérance comme Noé, comme Moïse, des gens qui ont continué de faire ce que le Seigneur leur a remis de faire jusqu'à ce qu'ils soient là? C'est la persévérance dont nous avons besoin. Vous œuvrez dans cette localité, vous œuvrez dans cette province, et le Seigneur a dit que vous devez prêcher l'évangile à toute la création. Et dans notre pays, nous n'avons même pas
10% de croyants nés de nouveau, peut-être on a 3, 4, 5% et nous œuvrons. Regardez l'histoire de l'Église dans notre pays ici, plusieurs années. Est-ce que nous avons la persévérance pour savoir que ce que Jésus a dit, que nous allons prêcher l'Évangile à toute la création? Oui, nous avons la foi. Nous devons ajouter la persévérance. Vous allez persévérer. Nous allons cultiver, nous allons planifier, nous allons propager, prêcher l'Évangile partout. Nous allons aller partout. Nous allons donner l'opportunité à tout le monde. Dans ce pays, vous allez le faire. Par la communication face à face, vous allez le faire un à un. À la radio, vous allez le faire. À la télé, par l'Internet, sur les réseaux sociaux, vous allez faire cela. Et par tous les ministres dans le pays, tous les ministres disponibles, et certains peuvent venir nettoyer votre main, laver votre main, vous fortifier vous-même avec le petit secours. Alors, nous allons le faire. Nous allons persévérer. Si nous persévérons, alors il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir sur la terre, ni de l'enfer qui puisse arrêter ce grand mouvement de Dieu. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de rester là-bas, et de persévérer, et d'endurer. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui se lâchent. Vous n'allez pas vous lâcher. C'est cette persévérance-là que le Seigneur cherche. C'est la persévérance-là et que le Seigneur nous fera avoir. Il nous fera être des gens que nous devons être. Avons-nous des défis? Est-ce que nous pensons si nous pouvons arriver ou pas? Paul a réussi, vous allez réussir. Comment Paul a réussi? Ah, l'homme-là, il avait un organisme métallique. Non, l'homme-là, il a un corps de fer. Non, cet homme-là est fort parce qu'il est un homme très dominant, un pharisien au départ. Alors, il a amené cela. Non, ça, ce qui est arrivé, Paul avait la parole du Seigneur et la parole du Seigneur a dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Pensez à votre entourage, « Ma grâce te suffit. » Pensez aux défis, aux difficultés et rappelez-vous, « Ma grâce te suffit. » Regardez combien pesant est le fardeau que vous devez porter. Ma grâce te suffit. Vous allez sortir de ce lieu et vous aurez plus de grâce. Vous aurez la grâce renouvelée, la grâce croissante. Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera pour vous. Voyons, 2 Timothée au chapitre 4, verset 18. 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La gloire de Dieu viendra à nouveau sur vous. La force de Dieu viendra à nouveau sur vous. Et quel que soit le mal, quelle que soit l'imagination de l'ennemi, croyant que le fardeau des ministres, croyant que le corps de Christ dans notre pays ici, croyant qu'il y a beaucoup de pouvoir dans le pays pour nous empêcher, non. Je l'ai dit, je le dis cela 1000 fois, non. Je dis cela 1 million de fois, non. Le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise et il vous sauvera pour vous faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La grâce de Dieu est revenue pour vous. Tenez-vous debout maintenant. Et amener cela au Seigneur dans la prière. En se confiant à l'Éternel
et le Seigneur est sur le point de faire ce que vous n'avez jamais pensé faire, ce que vous n'avez jamais imaginé dans votre vie. La grâce de Dieu va vous supporter. Et parlez au Seigneur, « Seigneur, maintenant je reçois. Seigneur, maintenant je reçois. » La faiblesse, ôtée. La crainte, ôtée. La frayeur, ôtée. La timidité s'en est allée. La crainte des ennemis est partie. La crainte des religions dans le pays s'est ôtée. Maintenant, je viens. Par ta promesse, plus de grâce pour moi, je viens recevoir. Tu as promis plus de force et je viens maintenant pour recevoir. Tu as promis plus de courage. Je viens maintenant pour recevoir la vie, une nouvelle vie, une vie de passion, une vie d'enthousiasme, une vie poussée par la joie du Seigneur. Je viens pour recevoir l'assurance, je viens pour recevoir la puissance pour pénétrer dans le pays, la puissance pour faire les choses apparemment infaisables. La puissance, Seigneur, je viens. La vigueur, la fermeté, la force, Seigneur, je viens à toi. La puissance pour percer, la puissance pour détruire, renverser. La puissance pour avoir la victoire, Seigneur, je viens à toi. La puissance pour aller de force en force, Seigneur. La puissance pour continuer de porter de fruits, Seigneur, je viens à toi. Parlez au Seigneur, espérez en l'Éternel, en présence de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel au temps de la prière. Confiez-vous en l'Éternel. Vous pouvez confier-vous en l'Éternel. Vous pouvez vous confier en l'Éternel. Si on ne peut pas se confier en l'Éternel parmi les autres croyants, non. Est-ce que vous pouvez vous confier en l'Éternel tout seul à la maison? Confiez-vous à l'Éternel ici. Et renouvelez votre force. Renouvelez votre courage. Renouvelez votre passion. Renouvelez la détermination de votre appel pour espérer en l'Éternel. Le Seigneur attend à être gracieux envers vous. Confiez-vous en l'Éternel pour qu'il vous fortifie. Espérez en l'Éternel pour qu'il augmente votre force. Confiez-vous en l'Éternel. Le Seigneur vous attend. Il attend à ôter la peur de votre cœur. Le fait de craindre les gens à l'église, vous craignez les gens hors de l'église, vous craignez le pouvoir du pays, vous craignez lorsque les gens crient sur vous et vous faiblissez, vous tombez, vous écroulez. La puissance pour rester ferme malgré tout cela, la puissance. La puissance pour persévérer. La puissance pour vaincre. La puissance pour avancer et pénétrer, dominer. La puissance pour faire ce que vous n'avez jamais fait.
la puissance pour aller là où vous n'avez jamais mis pied. La puissance pour vaincre. Tout ce qui livre bataille contre vous, contre votre marche en avant. La puissance pour percer, traverser les prisons en priant, en chantant, en louant au Seigneur. La puissance pour secouer les fondements de la prison. La puissance. Parlez au Seigneur. Dites Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si vous êtes toujours faible comme ce que vous étiez, confiez-vous en l'Éternel. Si vous êtes aussi faible, épuisé là, que ce que vous étiez avant d'être ici, espérez en l'Éternel. Si vous êtes toujours faible, peureux, comme ce que vous étiez, donc confiez-vous à l'Éternel. Si vous êtes sans vision, vous êtes toujours sans vision, pas de joie, pas d'enthousiasme, pas de puissance, pas de détermination, pas de poursuite, comme cela était pour vous, confiez-vous à l'Éternel. S'il y a un pouvoir qui peut encore vous renverser, si vous ne contrôlez pas votre vie, si vous n'avez pas le contrôle de votre appel, si vous n'avez pas le contrôle de la force, de la poussée, de la force du ciel sur votre vie, donc confiez-vous en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Un changement doit avoir lieu dans votre vie. Un changement par expérience. Un changement d'évidence. Un changement qui doit survenir dans votre vie. Par le Seigneur lui-même, une nouvelle force. Un nouveau déplacement, une nouvelle direction dans votre vie. Une nouvelle direction dans votre vie. Tout d'abord, vous devez espérer en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prendront le vol comme des aigles. Ils marchent. Ils ne se fatiguent pas. Ils courent. Et ne se lasse pas. Sauve cette génération de ministres, de croyants qui espèrent en l'Éternel. C'est facile pour l'Église. C'est facile pour le monde de faire telle église. Mais l'église, Moïse a pu espérer en l'Éternel, confier à l'Éternel, 40 jours pour apporter le réveil. La nation sans épine dorsale, la nation sans vision spirituelle, la nation sans la force d'avancer et aller dans le pays, si Moïse ne s'est pas confié en l'Éternel pendant ces 40 jours, où serait-il Israël? Si ceux qui nous ont précédés peuvent se confier en l'Éternel pendant 40 jours, si l'Église primitive peut se confier en l'Éternel 10 jours, et nous ne pouvons pas espérer en l'Éternel pendant 10 minutes,
où serait l'Église? Des années à venir, où serait l'Église? Si l'Église a espéré jusqu'à ce que Pierre soit sorti de la prison et l'Église cesse d'espérer l'Éternel en sa faveur, après qu'il était sorti de la prison, maintenant, nous ne pouvons pas. Maintenant, on peut voir en Actes 12 ce qui était arrivé à Pierre. Toujours, il allait en avant. Si l'Église ne se lève pas pour espérer en l'Éternel, pour se confier en l'Éternel, quel serait le futur de l'Église? Pensez à cela et décidez que je ne serai pas de ceux qui chancellent, se découragent et tombent et ne prient pas. Après quelques minutes, moi, je vais me confier en l'Éternel. Vous n'allez pas vous confier en l'Éternel en inaction, mais c'est avec détermination. Priez. Espérez en l'Éternel. Réclamez les promesses de Dieu. Espérez en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont les gens qui auront la force renouvelée. Ce sont les gens qui prendront le vol comme des aigles. Ce sont les gens qui vont courir. Ils ne vont pas se fatiguer. Ce sont les gens qui vont marcher et ne seront pas là. Espérez, confiez-vous en l'Éternel. Je vous dis, espérez en l'Éternel. Qu'il soit votre force, qu'il vous accorde plus de grâce, d'être plus fort et de plus en plus fort. Et est-ce que vous êtes aussi fort que vous puissiez l'être? Est-ce que vous êtes aussi fort que vous deviez l'être? Quelle que soit votre réponse, confiez-vous en l'Éternel. Mettez votre confiance en l'Éternel. Faites confiance au Seigneur. Il vous donnera plus de courage, plus de fermeté, plus de compréhension, plus de puissance. Espérez en l'Éternel, je vous le dis, espérez en lui. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta promesse. Merci pour la puissance espérée. Nous prions, Seigneur, comme nous nous confions en toi. Seigneur, comme nous nous confions en toi en tant qu'Église, que tu fasses de ton Église dans ce pays d'aller de force en force, de puissance en puissance, que l'Église devienne forte et plus forte. Nous prions, Seigneur, qu'en une soumission profonde, en une soumission totale, en une soumission absolue, nous allons nous confier en toi. Et grande sera la force et la puissance, et grand sera le courage, grande sera l'endurance, la persévérance, la pénétration de l'Église dans ce pays, au nom de Jésus-Christ.
Tu es le Dieu fidèle. Ce que tu avais dit de faire, tu le feras. Fais-le dans chaque vie. Fais-le dans chaque ministre. Fais-le dans ton église, dans ce pays. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donne une plus grande force à ton peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.